deuxième projet. La collection s'appelle en fait Les mots de mon histoire, puisque l'idée est de proposer aux jeunes lecteurs une manière d'approcher la lecture de manière ludique et éducative. Donc on leur raconte une histoire avec des personnages qui ont vraiment existé. Donc Lily a existé, Lip qu'on découvre dans l'histoire a existé aussi. Le premier livre s'intitule Un dimanche avec Mickey, le chat extraordinaire. Ce sont des animaux domestiques qui appartenaient à mon grand-père. J'ai voulu mettre en histoire en fait ces récits. Et au travers de mes rencontres d'auteurs et d'éditeurs, j'ai eu l'idée d'en faire quelque chose de plus complet, d'où l'idée de l'adapter aux jeunes lecteurs avec un travail sur les mots, un travail sur la mise en page et une adaptation aux lecteurs dyslexiques, puisque j'ai dans mon entourage proche des personnes dyslexiques qui ont du mal encore aujourd'hui avec la lecture. Et mon travail et mon envie, c'était justement de donner un coup de pouce à tout enfant qui découvre la lecture pour éviter qu'il décroche par difficulté d'apprentissage. D'accord, donc c'est un livre qui s'adresse aux enfants, pas seulement dyslexiques, à tous les enfants, parce qu'il a une vertu éducative et puis il est aussi très ludique. Et tout en même temps, il a une particularité, c'est qu'il permet d'adresser un problème et de résoudre, du coup. Est-ce que vous pouvez expliquer comment le livre permet de résoudre un petit peu le problème de la dyslexie? Alors, j'ai mis en place, pas une méthode, mais un partenariat avec des enseignants et des logopédistes qui ont validé la façon dont j'ai justement mis en page le texte en opposition à l'image, donc on ne mélange pas les deux. Ensuite, il y a un travail sur les interlignes, les espaces interlettres, la police qui est utilisée, qui est Open Dyslexique, qui permet à l'enfant dyslexique justement de mieux identifier les lettres et les mots par la suite. Ensuite, on a des jeux de compréhension à la fin de l'histoire qui permettent de retravailler sur les mots rencontrés et des consignes adaptées dans le sens où elles ne mettent pas l'enfant en échec s'il ne trouve pas la réponse tout de suite. En fait, il peut avoir la réponse dont il a envie. Qui lui semble la plus correcte vis-à-vis de sa compréhension de l'histoire. L'essentiel, c'est vraiment qu'il s'amuse, qu'il apprenne des choses sur les animaux, sur des mots, qu'il découvre avec intérêt et qu'il ait envie d'aller plus loin, qu'il ait envie de découvrir encore plein d'autres livres. D'accord. Aujourd'hui, il y a certains centres scolaires qui utilisent ce livre. Pouvez-vous nous dire un petit peu les résultats qu'ils obtiennent? Ben, j'ai fait quelques tests justement avec des personnes qui n'étaient pas très disposées au départ, qui étaient un peu méfiantes parce que justement c'est auto-édité. Mais c'est vrai que d'avoir travaillé avec des professionnels, je suis vraiment consciente que c'est un projet qui marche, un livre qui donne envie de lire. Ils l'ont testé avec des jeunes enfants dyslexiques qui ont eu vraiment beaucoup de facilité à le lire en comparaison à d'autres livres qu'ils utilisaient en classe jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut donner un conseil aux parents qui ont des enfants dyslexiques, surtout pour ceux qui ne le savent pas ou qui le découvrent juste et qui ne savent pas trop comment ils vont devoir gérer le problème? Alors bien sûr, il faut s'entourer de professionnels, vérifier cette première impression avec des enseignants et des logopédistes. Après, les matériels adaptés, il y en a de plus en plus. Mais c'est vrai que d'avoir un matériel avec audio, ça aide, puisque l'enfant intègre les mots à l'écrit et à l'oral. Donc il peut mieux les dissocier, il apprend à les dissocier et à les reconnaître avec le son, à mieux les lire. Il faut aussi ne pas hésiter à demander aux bibliothécaires, aux enseignants eux-mêmes et aux logopédistes s'ils ont des avis ou des conseils, des références sur du matériel qu'ils ont testé eux-mêmes et qui peuvent aider les enfants.